Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Eh bien, j'avais le goût vraiment depuis un certain temps de faire quelques capsules, mais manque de temps, et oui, toujours ce manque de temps, n'est-ce pas? Parce que vous êtes très très nombreux à me demander la signification des différentes couleurs des plumes d'anges qu'on peut rencontrer. Donc, eh bien voilà, je prends enfin le temps de vous faire ces capsules en vous expliquant les différentes couleurs des plumes d'anges que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Je vous souhaite une belle écoute avec les différentes significations des couleurs d'une plume d'ange. Les plumes d'ange sont souvent perçues comme des signes spirituels ou des messages de la part des anges, n'est-ce pas? Ou d'une autre entité, spirituelle. Chaque couleur de plume est associée à une signification particulière qui peut varier en fonction, eh bien, des croyances personnelles ou des traditions spirituelles. Donc voilà quelques-unes d'interprétations des couleurs des plumes d'ange. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la plume rose, amour et compassion. Une plume rose symbolise l'amour inconditionnel, la douceur et la compassion. C'est un signe, eh bien, d'amour divin et de connexion avec les autres sur un plan émotionnel. La plume rose est un symbole spirituel délicat et puissant, souvent associé, eh bien, à des thèmes d'amour, de compassion, de guérison émotionnelle et de douceur. La couleur rose, eh bien, elle évoque la tendresse, l'affection et une connexion profonde avec le cœur. Voici, eh bien, différentes significations possibles de la plume rose. En premier lieu, la couleur rose. Eh bien, le rose est la couleur de l'amour inconditionnel, de l'affection pure et sincère. Une plume rose peut être un signe que l'amour joue un rôle central dans votre vie à ce moment-là. Elle peut symboliser l'amour que vous recevez ou que vous donnez aux autres, et elle vous encourage, eh bien, à ouvrir votre petit cœur à des expériences d'amour inconditionnel. Alors que ce soit dans vos relations familiales, amicales ou romantiques, n'est-ce pas? La plume rose vous rappelle, eh bien, que l'amour est une force guérissante et transformative. Elle est aussi associée à la compassion et à l'empathie, des qualités du cœur qui nous permettent de nous connecter profondément avec les autres. Trouver une plume rose peut signifier que vous êtes appelé à faire preuve de compassion, à être, eh bien, plus empathique envers ceux qui vous entourent ou à cultiver un cœur plus ouvert et compréhensif. Elle peut également indiquer que vous recevez de la compassion et du soutien dans une période où vous en avez particulièrement besoin. Elle est souvent liée à la guérison des blessures émotionnelles. Elle peut être un signe que vous êtes en train de guérir d'une douleur émotionnelle et que vous devez vous concentrer sur la guérison de votre petit cœur. Cela peut concerner des chagrins d'amour, n'est-ce pas? Des blessures du passé ou même des sentiments de tristesse et de solitude. Cette plume rose vous rappelle que la guérison émotionnelle est un processus doux et nécessaire de l'amour pour soi-même et de la patience. Le rose est une couleur douce et apaisante, n'est-ce pas? Une plume rose peut symboliser
la douceur dans votre vie, que ce soit dans vos relations, dans la manière dont vous vous traitez vous-même ou dans votre approche des situations difficiles. Elle vous invite à adopter une attitude plus tendre, à traiter les autres et vous-même avec beaucoup plus de douceur et à créer un environnement de bienveillance autour de vous. Elle est également fortement associée à l'amour romantique et à la passion douce. Trouver une plume rose peut être un signe que la romance est présente ou qu'elle est sur le point de se manifester dans votre vie. Elle peut indiquer une nouvelle relation romantique, un approfondissement de l'amour dans une relation existante ou simplement une période où vous vous sentez plus ouvert à l'amour et à l'affection. Le rose évoque aussi la paix intérieure et la sérénité. Une plume rose peut être un symbole de tranquillité, vous indiquant que vous devez chercher à cultiver un état de paix intérieure. Cela peut signifier prendre du temps pour vous, pratiquer la méditation, ou simplement vous entourer de ce qui vous apporte du calme et du réconfort. La plume rose vous encourage à vous reconnecter avec cette paix intérieure et à la maintenir dans votre quotidien. C'est une couleur joyeuse, n'est-ce pas, qui symbolise le bonheur et la légèreté. Une plume rose peut être un signe que des moments de joie et de bonheur sont à venir ou qu'il est temps de vous reconnecter avec des émotions positives. Elle peut vous rappeler de chercher la joie dans les petites choses, de savourer les moments heureux et de répandre le bonheur autour de vous. Elle est également souvent liée à l'énergie féminine et à l'intuition. Elle peut représenter une connexion avec votre côté féminin, peu importe, n'est-ce pas, votre genre, et vous encourager à embrasser des qualités comme la réceptivité, la sensibilité et l'intuition. Trouver une plume rose peut être un signe que vous devez faire confiance à votre intuition, écouter votre cœur et honorer votre nature émotionnelle. Pour certains d'entre vous, si vous trouvez une plume rose, prenez un moment pour réfléchir à ce qu'elle peut signifier pour vous dans le contexte de votre vie actuelle. Vous pourriez choisir de la garder comme un symbole de l'amour, de la guérison et de la douceur. Elle peut être un rappel de vous traiter avec compassion, de cultiver l'amour dans vos relations et de rechercher la paix intérieure. Alors je dirais en conclusion que la plume rose est un symbole doux et puissant, porteur de messages d'amour, de compassion, de guérison émotionnelle et de sérénité. Elle vous invite à ouvrir votre petit cœur, à embrasser l'amour inconditionnel et à cultiver la douceur dans votre vie. En trouvant une plume rose, vous recevez un signe spirituel qui vous guide vers un chemin de paix intérieure, de tendresse et de connexion profonde avec vos émotions et celles des autres. Voilà, ces interprétations sont basées sur des croyances spirituelles et peuvent varier en fonction des contextes culturels ou religieux. Encore une fois, chacun est libre d'interpréter la signification d'une plume d'ange selon ses propres sentis et expériences. Voilà, cette capsule est terminée.
Je vous souhaite une lumineuse journée. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite.